Bonjour, vous aimez l'harmonica diatonique? Vous aimez le jazz et les musiques apparentées, blues, folk, rock, pop music, bossa nova? Ce site est fait pour vous. Quel site? Je viens de créer le site harmodiatojazz.com qui va vous permettre d'apprendre à jouer du petit instrument et petit à petit d'acquérir toutes les notions dont vous aurez besoin pour apprendre à jouer des morceaux, des standards comme des compositions, à les interpréter, à les faire sonner véritablement et à improviser. Chaque semaine, une vidéo explicative pour vous permettre d'acquérir toutes ces notions. Je suis professeur d'harmonica diatonique depuis des années et souvent j'ai des élèves qui ont acheté des méthodes qui leur promettent la lune, qui leur font croire qu'au bout de 6 mois, ils vont être de bons musiciens, qu'ils vont réussir à improviser en peu de cours, en peu d'heures de travail. Bien, ils achètent des méthodes, ils commencent à travailler les techniques et 10, 20 ou 30 pages plus loin, ils découvrent des morceaux, waouh, géniaux. Ah, ils se disent, chouette. Grâce à cette méthode écrite par un grand professionnel, quelqu'un qui est vraiment musicien, qui est déjà connu dans le monde de l'harmonica, dans le monde du jazz, grâce à cette méthode, je vais pouvoir apprendre à jouer ces morceaux. Et puis en fait, ils n'y arrivent pas. Alors ils se frustrent, ils se disent, mais c'est pas possible, ce type est un grand musicien, il écrit une méthode forcément très bonne, et finalement je n'arrive pas à jouer les morceaux. Bien. Malheureusement, ces méthodes partent effectivement d'un bon sentiment. Les musiciens veulent transmettre leur art, transmettre une certaine pédagogie, mais bien souvent, ils s'adressent en fait à des gens qui sont déjà musiciens. Ils croient s'adresser à des débutants, en fait, ils s'adressent à des gens qui ont déjà des connaissances en solfège, en harmonie, qui ont déjà une très bonne oreille musicale, ou qui savent déjà jouer de l'harmonica, et veulent changer de style. Mais aucune méthode ne s'adresse véritablement aux vrais débutants, à ceux qui n'ont jamais fait de musique, qui ne connaissent le solfège que de nom, dont ils ont entendu dire que c'était d'ailleurs quelque chose de très rébarbatif, de très pénible, ce n'est évidemment pas le cas, et qui veulent apprendre à jouer de l'harmonica pour espérer un jour devenir un grand musicien, savoir jouer librement et improviser. Alors on achète des méthodes et puis on se frustre parce qu'on n'y arrive pas. Les plus courageux prennent des cours et là ils se rendent compte qu'en fait il leur manque énormément d'informations. Alors s'ils ont la chance d'avoir un professeur particulier qui leur explique vraiment tout ce dont ils ont besoin de savoir pour jouer, pour interpréter, pour improviser, alors là, oui, effectivement, au bout de quelques années, ils réussiront à devenir de bons musiciens. Et c'est ça que je veux vous proposer sur ce site. Chaque semaine, une vidéo explicative qui vous montrera pas à pas comment jouer, interpréter et improviser. J'ai une véritable passion pour la musique, bien entendu, pour l'harmonica, évidemment, mais aussi pour la pédagogie. J'ai vraiment envie de transmettre ce que je sais. J'ai 40 ans aujourd'hui. Cela fait des années et des années que je travaille la musique. Je joue de la flûte, de l'harmonica, du piano et d'autres instruments. Cela fait des années que j'étudie la musique. J'ai acquis énormément de choses en quelques décennies, en 3 décennies en fait. Et j'ai vraiment envie de transmettre ce que je sais pour former d'autres musiciens. Le rêve de tout pédagogue qui se respecte est de former des musiciens, de les voir jouer sur scène et de pouvoir dire fièrement « C'est moi qui ai formé ce musicien. Ce type-là, vous voyez à la télévision, que vous venez écouter en concert, que vous voyez sur scène. C'est moi qui l'ai formé. » On a tous envie de ça. On rêve tous de ça. Mais pour pouvoir y arriver, eh bien, il faut se mettre à la place de l'élève. Il faut essayer d'être à son écoute.
Et c'est pourquoi j'ai créé ce site armodiatojazz.com. Chaque semaine, une vidéo. Vous pourrez laisser vos commentaires, vos suggestions et poser vos questions et j'essaierai dans la mesure du possible de répondre à toutes vos questions personnellement. Je ne saurais trop vous conseiller de prendre des cours en plus de ce site pour avoir un retour de ce que vous faites. Bien souvent, j'ai des élèves qui me disent: Ah, ça y est, je sais altérer, écoutez. Et puis quand j'écoute ce qu'ils font, bah, je me dis oui, effectivement, on sent que l'altération n'est pas loin, mais ce n'est pas vraiment ça. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à travailler, à comprendre. Ou alors, ils jouent un morceau avec quelques effets, ça sonne déjà, mais il manque quelque chose, ou la pulsation n'est pas tellement respectée, ou il manque un certain phrasé, un certain sens du swing qu'ils n'ont pas encore acquis, et c'est bien normal. Le professeur est là pour les corriger et leur apporter ce dont ils ont besoin. Je donne des cours d'harmonica diatonique particuliers. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un professeur pédagogue que vous pouvez rencontrer chaque semaine ou chaque quinzaine, je peux vous proposer, en plus de ce site, des cours particuliers. Toutes les vidéos que je mettrai sur ce site seront gratuites. Pas d'abonnement à payer, tout sera en accès libre. Vous pourrez les voir autant de fois que vous le voulez et vous pourrez me poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. Mais si vous avez besoin de compléments, d'un cours particulier, d'avoir un professeur à votre écoute qui saura vous corriger, je peux vous proposer des cours particuliers en complément de ce site à des tarifs défiant toute concurrence. Vous pourrez soit venir chez moi à Saint-Gratien dans le Val-d'Oise, près de Paris, soit prendre des cours à votre domicile, car je peux également me déplacer sur Paris et la banlieue, ou prendre des cours par Internet via Skype. Les tarifs, évidemment, seront différents en fonction de la formule que vous choisirez, en fonction de vos disponibilités et bien évidemment de votre budget. Encore quelques mots sur le site armodiatojazz.com. Le site présente trois rubriques essentielles. Technique, où vous allez apprendre toutes les techniques de l'instrument, tous les effets que vous pouvez obtenir sur un harmonica diatonique. Interprétation, où vous allez apprendre comment faire sonner des phrases, comment jouer des morceaux de manière professionnelle. Et improvisation. Si vous êtes complètement débutant, je vous conseille de commencer par la partie technique. Si vous connaissez déjà la plupart des techniques de l'harmonica, si vous savez déjà altérer correctement, vous pouvez passer directement à la rubrique interprétation, et si vous êtes déjà musicien, vous pouvez tenter l'improvisation. Dans chaque rubrique, des vidéos chaque semaine vous expliquant les choses pas à pas, que ce soit les techniques propres à l'instrument, l'interprétation ou l'improvisation. Et j'insiste sur ce dernier point car bien souvent en improvisation on trouve de tout et de n'importe quoi sur Internet. On trouve notamment des sites où un jour on vous dit, allez, on va voir la gamme demi-diminuée. Bien. Et puis 2 semaines plus tard, on vous parle d'une autre gamme, ou d'un morceau, ou d'un standard, ou d'un relevé. Bien. Et puis un peu plus tard, on vous parle, allez, de la gamme dorienne et de ses dérivés. Bon. Et puis au final, vous avez une foultitude de plans, de gamme. Tout ça part dans tous les sens. Voilà, ce n'est pas satisfaisant. Ce que je vais vous proposer, ce sont des exercices qui vous permettront de pouvoir improviser sur tous les morceaux que vous rencontrerez parce que je prendrai chaque note, chaque accord,
chaque mesure, et à chaque fois, nous verrons tout ce qu'on peut faire dessus. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices. Et comme ça, pas à pas, vous allez pouvoir progresser. Vous allez pouvoir prendre une mesure ou un seul accord et déjà trouver des solos, des manières d'improviser, d'aborder l'improvisation, d'aborder l'étude de chaque accord, de chaque gamme, de chaque note. Et ainsi, petit à petit, vous allez acquérir une vraie connaissance, un vrai vocabulaire, une véritable démarche qui vous permettra de vous sentir à l'aise quand vous devrez improviser sur scène avec d'autres musiciens. Voilà pour l'essentiel. Je vous dis à très vite sur armodiatojazz.com, dont vous trouverez le lien ci-dessous.